Bonjour tout le monde. La poule dans tous ses états. Non, la mer dans tous ses états. Quelques petites suggestions à partir des tableaux de Claude Monet. Claude Monet. Et des tableaux impressionnistes. Donc, c'est un petit sujet estival. La poule est d'accord ou pas? Peut-être. La mer dans tous ses états, Monet, la mer à Fécamp, 1881. Ça c'est Monet toujours, parc de pêche à Courville, 1882. Le mec, il était tout le temps en vacances, hein, l'impression. Eh oui, ça suivait les riches, ça travaillait pas beaucoup à l'époque. Hein. Une fois à Trouville. Ça, c'est très tard. Tu sais, il faisait ça pour économiser les cartes postales. Hein. C'était un gros rayon. 1883. Il est trop tard, je sais pas, c'est un sous le temps. 1883. Il est déjà allé à trop tard? Si. C'est pas loin, hein? Il est trop tard, 1883, mer agitée. Mer agitée, elle est belle, hein? Je Monet, on va dégrader là-haut, c'est sympa, et la mer qui s'estompe. Je suis venue dans l'appartement, de dehors. Ah bon? Se poser. On l'a prise dans nos mains et tout. Non. On s'est dit qu'est-ce qu'elle a? Donc elle a mis dans une petite boîte. On s'est dit qu'elle doit être blessée. Peut-être qu'elle ne s'intéressait pas à être partie, non? 1886. Oh, voilà. Et celui-là, c'est l'esquisse pour faire les tableaux. Toujours mon lien, hein? Mise au point, difficile, allez, tu peux y arriver. Allez, réveille-toi. Voilà. Voilà la mer par Émile Nolde. Ça, c'est Vapeur fumant. 1910. Arnold était un expressionniste allemand, donc il travaillait énormément la matière, ou ça, donc les gestes et la matière.
Et ça se prête assez bien pour pour l'eau. Et voilà, ça c'est les soleils des tropiques, 1914. Il faut goûter les cerises. Ben oui. Le soleil des tropiques. Emmenold. Voilà encore des détails du tableau du. Bon, j'ai oublié le titre. C'est un peu la texture qu'il a trouvée pour représenter la mer, c'est quand même. Il faut le faire, hein. C'est presque aussi beau que mes toiles. Voilà nos tableaux remorqueurs sur l'Elbe. Alors, l'Elbe, c'est une île en Italie, hein. 1910. C'est une île qui est en face de la Toscane, pour ceux qui ont envie de connaître. C'est une île très jolie, vous pouvez partir en vacances. Je fais même la guide touristique. Très verte. Je ne suis jamais allé. Hein. Mais. Et ça, c'est Mer d'automne 7, 1910. Bah, le choix de couleur est intéressant parce qu'il n'est pas tombé sur des. Ou sur des. Bah, sur des couleurs classiques. Là, on a plutôt une. Un jaune de Naples avec un violet, un carmin. C'est assez étonnant en fait. Crépusculaire. Et en plus, il tombe haut. La mise au point, toi. Téléphone. Ah, voilà. Alors, ce tableau, c'est la mer d'automne 9. 1910. L'année de naissance de ma grand-mère. Ah oui? Il y a encore beaucoup de liberté dans l'usage des couleurs. C'est ça d'ailleurs qu'il faut retenir plutôt. Mer d'automne 11. Toujours 1910. Bon, ce sont des sujets d'été. Hein. À deux têtes là. Oui. Nuage d'été 1913. Voilà. Celui-là, il est particulièrement beau, hein. Là, il est beau. Et voilà, encore un autre, la mer 3, 1913. C'est l'année de naissance de la copine de ma grand-mère. Voilà. Entre 1911 et 1913, il a fait pas mal de marines. Ma grand-mère aussi. Alors, on voit pas tellement la couleur, mais c'est plutôt, on dirait du bleu, du gris de peine. Donc bleu très mer noir et la couleur de du ciel, c'est vraiment une couleur que j'aurais jamais fait, c'est un vert un peu. Bon. Un peu ocre. En réalité, ça fonctionne assez bien, mais bon, c'est un vert un peu merdique.
La mer B. 1930. Une grande vague déferlante. 1948. Voilà pour les marines de Emil Nold. C'est un peu ça qui peut, ça peut vous inspirer pour l'été. C'est intéressant cette association de couleurs. Voilà un autre type de marine, c'est surprenant à mon avis. C'est un peintre qui s'appelle François-Aimé-Louis Dumoulin. Ouragan furieux sur les grands bancs de la Terre-Neuve du 19 au 20 septembre 1783. Dessiner d'une manière extraordinaire, mais je trouve que c'est intéressant de voir comme il a créé plastiquement les vagues, comme c'était vraiment des objets en volume. De loin de Nold, Nold il fait plutôt une peinture d'impression. Là, il a cherché la forme. La forme dans les vagues. Intéressant ce petit personnage qui essaie de. Quiz de l'été. Quiz de poulet. Non, quiz de l'été. Oh. Qui devine? Qui est le peintre qui a réalisé ce tableau, les tentations, la tentation de Saint-Antoine? Évidemment, Saint-Antoine, c'est lui plutôt. Il y a quelqu'un qui, avec une lanterne, éclaire une dame nue. Ah ben oui, la vraie tentation de Saint-Antoine, c'est ça. Quelle autre tentation il aurait pu avoir? Je sais pas, mais bon. Ah, et après, il y a tous ces mots comme ça. Qui est des obsédés? Les saints étaient obsédés, hein? Assez incroyable, ce tableau, quoi. Voilà un entier. Alors, Tentation de Saint-Antoine, qui va découvrir qui est l'auteur. Alors, Kuniyoshi, les sauvetages du Tame Tomo. Tame Tomo. Incroyable. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit sujet estival. Moi j'aime bien les fruits sous les t-shirts de Maddalena. Et oh, concentre-toi. Bon, à très bientôt alors. Bonne banque.